Hello viewers, you are welcome to www.ghanainfrance.com website specially created for the Ghanaian community here in France. Today, I have the privilege to introduce to a black star in France. It's always a pleasure having a young or a youth in France who is shining. Welcome to www.ghanainfrance.com, Mr. Charles Nyako. Thank you for your invitation. Thank you very much. Vous allez bien? Je vais très bien, et toi? Oui, ça va très très bien, merci. Je peux te tutoyer, non? On va se tutoyer, ouais, c'est mieux. Merci beaucoup, Charles. Charles, est-ce que tu peux te présenter à la communauté ghanéenne ici en France? Très bien. Bon, ben, je vais me présenter de manière très simple. Donc, j'ai 28 ans, je suis né en France. Donc en 1987, j'ai fait toute ma scolarité en France, de la maternelle jusqu'en master, simplement. Donc master, combien? Master 1, 2? Master 2. Le master 1 n'est pas comptabilisé, en fait. La quatrième année n'est pas comptabilisée en France. On parle de master à partir de la cinquième année. Ah, d'accord. Dis-moi un peu de ton parcours scolaire. Tu as commencé comment? Alors, comme j'ai rappelé donc au départ de mon introduction, donc j'ai commencé à la maternelle, donc primaire, ensuite collège, lycée, donc avec un bac économique et social, ES. Ensuite, après le bac, j'ai fait une licence AES à l'Université d'Avignon. Et ensuite, après la licence AES, j'ai eu un master administration des collectivités territoriales à l'Université de François Rabelais de Tours. Voilà. Ah, d'accord. Donc maintenant, c'est quoi le diplôme que tu as maintenant? Alors, j'ai plusieurs diplômes. Donc pour partir du plus basique, je pense que c'est ce que pratiquement tout le monde a, c'est le brevet des collèges, ensuite le baccalauréat ES, un DEUG économique et AES, donc économique et social, une licence AES, administration économique et sociale. Et enfin, le dernier master que j'ai eu, c'est donc un master administration des collectivités territoriales, qui en fait forme à ensuite gérer tout ce qui est administratif dans les collectivités territoriales. Donc quand je parle de collectivités territoriales, je parle de tout ce qui est ville, donc les mairies, tout ce qui est département, donc les conseils généraux, et tout ce qui est région, tout ce qui est donc conseils régionaux. Voilà. C'est l'administration en fait territoriale qui est en France. Après, il y a l'administration territoriale ou nationale, où là on est dans les ministères, mais moi à mon niveau je suis sur les collectivités territoriales simplement. Ah d'accord. Franchement, moi je te dis félicitations. Hein. Ça me fait vraiment plaisir. Des fois, c'est pas seulement le parcours scolaire que tu as qui m'impressionne. Tu vois. Mais le fait qu'un jeune comme toi, en te voyant comme ça, on dirait une star de football avec la coupe de cheveux et tout ça. Tu vois, je veux dire. Mais voir un gagnant qui a su bien gérer sa vie jusqu'à là, je pense que je te dis félicitations et ça me fait plaisir de partager ton parcours sur ghanainfrance.com qui va aussi inspirer d'autres jeunes, pas que des gagnants, hein, à voir un peu plus haut. Mais dis-moi donc, actuellement tu travailles où? Donc je travaille à la mairie de Puteaux, donc dans le 92. Et qu'est-ce que tu fais à la mairie de Puteaux? Je suis juriste contrat public, c'est-à-dire que je m'occupe de la passation, donc de rédiger les contrats publics entre la ville et les entreprises. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois qu'il y a des travaux, par exemple à l'extérieur, sur la chaussée, qu'il y a la fête de la musique, qu'il y a la nourriture dans les cantines, par exemple, toutes ces prestations-là qu'on voit et qu'on ne connaît pas forcément, en fait, c'est des contrats entre une ville et une entreprise privée. Ah, d'accord. Et ces contrats entre la ville et l'entreprise privée, elle fait l'objet de publicité, elle fait l'objet de tout un code. Et ce code-là, c'est le code des marchés publics. Et donc, ce code-là, c'est ce code-là que moi, j'applique à chaque procédure. Voilà. Donc, on applique un code, ensuite, on présente la procédure au maire, et le maire choisit, je résume vraiment de manière vraiment brève pour que tout le monde puisse comprendre, le maire choisit la meilleure offre selon, en fait, une procédure qu'on aura passée. Mais tout est codifié par la loi. Ah, d'accord. Ça veut dire que là, si j'ai bien compris, là, tu connais bien les lois, tout, comment ça fonctionne la mairie, quoi. Oui, et la mairie, encore une fois, c'est pareil, ça peut être la mairie, ça peut être la région, ça peut être le département,
À partir du moment où, ça peut être même l'État, à partir du moment où on a un pouvoir public, les hôpitaux, etc., etc., qui dépensent de l'argent public, vu que c'est de l'argent public, il y a toute une réglementation. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup de scandales en France avec les politiciens, c'est que certaines fois, en fait, ils détournent les règles et ils donnent des marchés à des personnes qui ne sont pas forcément... ils ne doivent pas forcément qualifiés les ressources. Ou qui sont compétents, qualifiés pour faire ça, quoi. Des amis. D'accord. Et c'est comme ça en fait, qu'on détourne l'argent public en France, à travers les marchés publics. C'est pour ça que Jacques Chirac, par exemple, il a eu des problèmes en 95 ou dans les années 90, que plusieurs politiciens ont eu des problèmes, les Balkany, par exemple, dans le 92, et voilà, par rapport au marché public. Donc c'est un métier qui est assez, je vais pas dire difficile, mais qui est à risque, parce que d'ailleurs, on engage à chaque fois notre responsabilité. À chaque fois qu'on passe un contrat, voilà, on doit le passer de manière objective. C'est-à-dire que moi, je peux très bien avoir une entreprise, une grande entreprise qui vient me voir en me disant, monsieur Nerco, si vous m'accordez le marché, ben moi, derrière, je vous accorderai tel et tel avantage. C'est-à-dire que j'accepte cet avantage-là et qu'il y a un contrôle de la part d'un organisme financier, je peux me retrouver en prison, c'est passible de prison. Donc, d'accord. Donc, en parlant de politique, est-ce que tu as une idée d'entrer dans la politique française? Ben, plus jeune, disons que c'était quelque chose à laquelle j'aspirais. C'est vrai que j'ai voulu faire Sciences Po, donc j'ai tenté le concours. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. Je me suis toujours intéressé à la politique. Maintenant, voir les politiciens, en travaillant dans une mairie, en travaillant avec les politiques, en voyant un peu comment ça se passe dans le monde politique, c'est vrai que ça m'inspire pas trop, vraiment. C'est vraiment un monde qui m'inspire pas trop parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup... On parle de la politique comme étant en principe un domaine où les gens doivent rentrer en politique par humanisme, on va dire. Ça doit pas être un métier, mais quand on est dans la politique, on s'aperçoit vraiment que les gens sont là pour l'argent. Voilà, pour l'intérêt. Moi, comme j'ai dit souvent, comme je dis maintenant, avant les politiciens, c'était des gens patriotiques qui aimeraient bien, qui aiment leur pays, qui veulent que leur pays avance. Mais maintenant, j'ai l'impression que les gens font la politique pour avoir des faveurs, avoir d'argent et une vie meilleure simplement, quoi. Mais pas quelque chose... Pas vraiment pour le pays, quoi. Non, c'est exactement ça. Mais n'empêche, tu peux t'intéresser et ne pas faire comme eux. Faire autre chose. Alors, ça bien peut... sûr, mais derrière, c'est un système. C'est un système. On peut pas... Quand on rentre en politique, on rentre dans un système, on rentre dans une caste politique, on rentre dans des codes. Si on rentre pas dans les codes, on est vite fait mis à la porte. Parce que pourquoi, par exemple, pour se présenter au présidentiel, il faut un certain nombre de parrainages, des maires. Si on rentre pas dans ce système-là, les parrainages, on les a pas. Ah, ok. J'ai compris. On a assez parlé des politiciens. On va les laisser dans leur coin et on va parler un peu des choses qui nous concernent aussi. Bien. Comment t'as fait pour trouver ton job à la mairie du Puteux? T'imagines? Un petit black qui est juriste, contrat public à la mairie du Puteux. Les gens, ils ont la... Ils disent souvent qu'en France, quand tu es black, il y a discrimination et tout, mais plutôt c'est pas une ville de blacks, quoi. Et comment tu as fait pour avoir ces postes-là dans une ville pareille? Bah, c'est vrai que plutôt c'est une ville de droite, c'est vrai, comme pratiquement toutes les villes du 92. Maintenant, c'est simple, j'ai terminé mon master en 2011. En 2011, donc j'ai terminé, je suis sorti de l'université au mois de septembre, précisément le 9 septembre 2011. J'ai anticipé, ça c'est très important quand on est à l'école, d'anticiper le futur. C'est vrai que c'est bien d'avoir son diplôme, mais derrière le diplôme, ça donne pas de travail. Il faut savoir se vendre, il faut savoir mettre en avant ses qualités et mettre en avant ses diplômes. Donc tout simplement, quand sur la fin de mes études, j'ai commencé à envoyer des CV, donc sachant que j'allais avoir mon année, j'ai envoyé des CV à plusieurs mairies. Et donc la mairie de Puteaux m'a contacté pour une interview, pour un entretien d'embauche. Donc j'ai passé l'entretien d'embauche, bien sûr en me renseignant bien sur la ville, en me renseignant bien sur le poste. Et derrière l'entretien s'est très bien passé, la directrice a accroché à mon discours, a accroché à mon CV, et j'ai été pris, et donc je travaille à la mairie de Puteaux depuis 2011, ça va faire 4 ans en mois d'octobre. Donc
comme les gens disent en France, il faut être pistonné et tout ça. C'est pas tout le temps le cas, quoi. C'est pas tout le temps le cas. Et c'est vrai, encore une fois, que quand on part pas défaitiste d'avant et qu'on arrive à l'entretien de manière confiante et qu'on montre à la personne que malgré notre couleur de peau, malgré notre coupe de cheveux, malgré notre gabarit, malgré les préjugés qu'on peut importer ou qu'on peut apporter aux yeux des gens, on est capable de répondre à un certain poste, les gens sont même étonnés et nous prennent. Parce qu'on sort, on sort du cadre, on sort des clichés. Et sortir des clichés en France, ça peut aussi permettre d'avoir des postes qu'on penserait ne pas avoir. C'est sûr que si on reste dans un cliché et on se dit, ben voilà, parce que je suis black, je ne vais pas avoir tel ou tel boulot, parce que je suis black, je vais être agent de sécurité, parce que je suis black, je dois faire ça, ben, malheureusement, ça, voilà, on a moins de chances de réussir. Maintenant, c'est vrai ce que tu sous-entendais, en France, il y a des pistons, on ne va pas se mentir, c'est partout pareil. Mais déjà, il faut déjà se donner les moyens, et une fois qu'on se donne les moyens, on peut réussir. Et voilà, c'est pas interdit de réussir quand on est black, quand on est ghanéen, quand on est sénégalais, quand on est ivoirien, quand on est musulman, quand on est chrétien, quand on est une femme ou un homme. Peu importe, à partir du moment où on se donne les moyens de réussir, on peut. Merci beaucoup, Charles. Hein, my black star. Je suis vraiment fier de toi, hein, franchement. Bravo. Et puis, j'aime bien comment tu parles. Tu étais en compte. C'est-à-dire que you have confidence in you. Et j'aime bien les gens comme ça. Hein. Il faut continuer. Hein. Souvent, je dis souvent à mes petits cousins que nos parents ils sont venus en France sans savoir parler français. Mm-hmm. Pour la plupart, peut-être même pas de diplôme au Ghana, en n'ayant pas fait l'école, et la plupart sont sortis. Donc nous qui sommes nés ici, où on a la chance d'être allés à l'école, d'avoir un certain niveau d'éducation, un certain niveau de vie, même si c'est pas facile tout le temps, mm-hmm. même si on est riche en France, on doit au minimum faire aussi bien que nos parents. C'est pas possible qu'on fasse moins bien que nos parents en ayant eu plus de chance. Mm-hmm. Moi, quelque chose que je dis souvent à mes petits cousins, en ayant plus de chance, on doit réussir au minimum à avoir un niveau de vie qui est égal à ceux de nos parents, si ce n'est pas plus. Mm-hmm. Mm-hmm. Et l'école, il n'y a que ça qui peut nous faire sortir de notre condition sociale, parce que nos parents, malheureusement, voilà, quand ils sont arrivés en tant qu'immigrés. Pour la plupart, en France, ce n'est pas comme en Angleterre, aux États-Unis, ce n'est pas des docteurs, ce n'est pas des architectes, c'est des ouvriers, c'est des femmes de chambre, des femmes de ménage. Et la seule manière pour nous de réussir, c'est l'école. Il n'y a pas 10 000 solutions. C'est l'école ou le foot ou peu importe. Mais voilà, le foot, c'est tout le monde veut jouer au foot ou tout le monde veut faire du sport, donc c'est plus difficile. La meilleure manière de réussir et de sortir de sa condition sociale, c'est l'école. Je suis entièrement d'accord avec toi. Si tu es sportif et tu n'as pas cette... tu sais pas faire les multiplications ou bien faire l'addition, t'inquiète pas, hein, c'est pas la peine. Hein. Ah, c'est sûr. Tu vas être sur le terrain, mais ceux qui vont vraiment avoir tes sous, c'est pas toi, hein, c'est les gens qui vont te gérer, qui vont mieux profiter. Bon, parlons un peu de ton enfance. Oui. Qu'est-ce que tes parents ont fait qui t'a poussé à continuer à aller à l'école? Ben, déjà, tout simplement, j'ai des grands frères, donc devant moi, une grande sœur et des grandes sœurs et donc un grand frère qui était déjà très bon à l'école. Donc c'est vrai qu'en ayant déjà un bon exemple devant moi, ça m'a aidé à suivre tout simplement leur pas. Après, j'ai mes parents aussi qui nous ont tous vraiment poussé à aller à l'école, conscients de la chance que nous on avait et de la chance qu'eux n'avaient pas eue. Ils nous ont toujours poussé à faire le maximum et vraiment à l'école, à vraiment être le meilleur possible. Donc ça passait par vérifier les notes, ça passait par voir si on avait fait nos devoirs, même s'ils ne comprenaient pas, c'était s'assurer qu'on avait bien fait nos devoirs. Et même s'ils pouvaient, comme je dis encore, comme s'ils ne pouvaient pas nous aider, mais bon, quand on sait que derrière, il y a les parents qui sont là, quand il y a des convocations à l'école, ils sont là, même s'ils ne comprennent pas forcément très bien le français. Voilà, quand le professeur dit que votre enfant travaille bien, ça, je pense que les parents comprennent. Quand il dit que l'enfant est perturbateur ou ne travaille pas bien, les parents comprennent aussi. Donc avoir les parents derrière qui poussent les enfants d'une manière ou d'une autre, c'est toujours positif. Donc tu penses que ça c'est un rôle très très idéal dans ça c'est un point vraiment important dans la vie d'un enfant, quoi. C'est un rôle primordial parce que l'enfant, voilà, c'est la définition d'un enfant, il n'est pas responsable. Je suis d'accord avec toi. Surtout, il ne connaît pas l'avenir, il connaît pas la vie. Seuls les parents sont à même de pouvoir dire à l'enfant, attention,
tu travailles pas bien à l'école, derrière, tu vas pas avoir une situation de vie ou un confort de vie décent. Donc à toi, nous, on n'a pas eu les conditions. Toi, tu as la chance d'aller à l'école. Va à l'école, fais de ton mieux. On te demande pas d'être Premier ministre, d'être président, d'être Obama. Va à l'école, si tu dois faire un CAP cuisine, si tu dois faire un BEP électro, je sais pas quoi, fais-le. Mais fais quelque chose de ta vie, apprends un métier, apprends quelque chose. Et c'est vrai, là, je vais peut-être un peu bifurquer dans la conversation, que certaines fois, des parents sont un peu trop sévères avec les enfants et voudraient que les enfants fassent des grandes écoles, etc., etc. Si l'enfant n'a pas forcément les capacités ou si l'enfant n'aime pas ce qu'il fait, il faut pas le forcer à faire ce qu'il n'aime pas. Il faut le pousser à faire ce qu'il aime. Et derrière, encore une fois, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure en aparté, c'est qu'un enfant qui a fait un CAP mécanique, par exemple, peut très bien ouvrir son garage et gagnera plus d'argent que moi qui suis juriste. Voilà. Et ce sera plus valorisant d'être son propre patron que moi, par exemple, qui travaille pour une mairie. Voilà, malgré tous les masters que j'ai, malgré tous les diplômes que j'ai. Pousser les enfants à faire ce qu'ils aiment, c'est la chose la plus importante dans la vie pour qu'ensuite ils puissent avoir une vie et vivre une vie qui leur plaît. Mais c'est pas les parents qui doivent choisir pour les enfants. Ça, c'est vraiment quelque chose que les parents doivent faire attention. Merci beaucoup. Maintenant, comme tu travailles dans un lieu où tu donnes des contrats à des entreprises, c'est bon, ça? Toi, je sais que toi, t'aimes pas tricher. Toi, tu donnes des contrats à ceux qui sont vraiment à qualifier pour avoir ces contrats. Mais un gagnant qui c'est quoi le conseil que tu donneras à un gagnant qui a une entreprise qui a envie de travailler avec les mairies? Ben, un gagnant qui a envie de travailler avec les mairies. Un gagnant qui a son entreprise, qui a envie de gagner ses marchés avec les mairies. Déjà, contrat, oui. Je lui dirais, c'est qu'il ne faut pas négliger, il y a 36 000 communes en France, 36 000 villes. En France, donc 36 000 potentiels candidats, plus les régions, 22, plus les départements, 102, même si ou 101, puisque je compte les dom-tom avec. Donc, les marchés publics, c'est vraiment une source de revenus possible pour les entrepreneurs ghanéens. Maintenant, il faut savoir, il faut connaître les règles, il faut connaître, c'est vrai, il faut connaître les... C'est bien, par exemple, si un Ghanéen habite à Villiers-le-Bel, s'il habite à Gonesse, de postuler dans le lieu où il habite. Pourquoi? Parce que le maire va se dire, bon, ben, telle entreprise, tel gagnant ou telle personne travaille sur le territoire, donc si on lui donne le marché, il va apporter une valeur ajoutée à la ville. C'est comme ça que beaucoup fonctionnent. Maintenant, il faut suivre les règles à la stricte, il y a des papiers à donner, il y a un cadre de réponse à donner, et si le gagnant ou si l'entrepreneur n'est pas retenu, il faut demander pourquoi j'ai pas été retenu. La mairie va devoir se justifier en disant vous n'avez pas été retenu parce qu'on vous avait demandé de faire ça en 2 heures, vous avez dit que vous allez faire ça en 3 heures, on vous avait demandé de mettre 2 gars, vous nous avez dit que vous en mettrez qu'un, de donner le papier d'URSSAF, vous n'avez pas donné, et derrière, le gagnant va pouvoir, ou l'entrepreneur, va pouvoir s'améliorer pour quand il y a une autre offre, pouvoir donner une offre en adéquation avec ce que la mairie demande. Et encore une fois, je répète, 36 000 communes en France. Et le premier investisseur public, c'est les collectivités territoriales en France, c'est même pas l'État. C'est-à-dire que c'est les mairies qui investissent le plus. Quand il y a des routes, quand il y a des transports scolaires à faire, on met des enfants d'un endroit à un autre, quand on doit amener la nourriture des enfants, donc de l'entreprise qui fait la nourriture au restaurant municipal, tout ça, c'est des marchés publics. Donc il y a des sites internet sur lesquels donc, les entreprises s'inscrivent, pour qu'à chaque fois qu'il y ait un marché qui sorte dans leur domaine de compétences, ils soient prévenus et qu'ils puissent donner une réponse. Donc la première chose à faire pour les entrepreneurs, c'est s'inscrire sur ces sites-là. Il y en a un qui s'appelle Achat Public, par exemple. L'entrepreneur s'inscrit dessus, inscrit les marchés qui l'intéressent, et derrière, à chaque fois qu'il y a un marché qui correspond à son activité, ben, il est alerté et il peut ensuite répondre, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup, Charles. Je suis fou. Franchement, là, je suis vraiment content. Hein? Je suis vraiment fier de toi. Un vrai blaster. Si on te donne une minute et on te dit il faut donner un advice à la communauté ghanéenne en France, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais tout simplement que, voilà, nous, moi, et je pense beaucoup de Ghanéens de mon âge, je pense qu'on est la première génération de Ghanéens nés en France.
que voilà, le Ghana, on sait que c'est un pays anglophone, donc la plupart des Ghanéens vont en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, en Hollande, voilà, et que la France, c'est pas forcément notre destination première. Maintenant, on est là. Les Ghanéens sont un peuple travailleur, très intelligent. On le voit dans les universités, on le voit quand on étudie, les Ghanéens sont très intelligents. Donc, il ne faut pas avoir de complexe d'infériorité pour les plus jeunes et se dire que, voilà, les études, c'est aussi fait pour nous. On est né en France, on a les mêmes chances que ceux qui s'appellent Jean, Paul, Jacques ou peu importe. Même si on a une couleur de peau qui nous fait être plus remarqué que les autres, on a les mêmes capacités intellectuelles et que derrière, tout ce qu'on veut faire, on peut le faire en s'appuyant sur ce que nos parents ont fait. En ayant cette même volonté de réussir, on peut réussir tout comme ils ont réussi, tout simplement. Merci, merci beaucoup Charles. Je suis vraiment content. Et encore merci pour ce partage avec GhanaInFrance.com, un site web que toi-même tu sais créer spécialement pour la communauté ghanéenne ici en France. Merci beaucoup Charles. Merci pour ton site et je te souhaite une bonne continuation et puis une bonne soirée à tous les Ghanéens qui regarderont, une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quelle heure ils regardent, à tous les Ghanéens qui regarderont la vidéo, en espérant que ça les motivera à avancer et à réaliser leurs projets. Merci beaucoup Charles.